Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec ce magnifique chien qui fait n'importe quoi devant cette magnifique cheminée. J'ai décidé sur un coup de tête et parce que je suis malade et que du coup j'ai mon après-midi pour me reposer. Donc j'ai décidé de commencer un mini-vlog sur une lecture que j'ai prévue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman. Donc j'ai, comme vous avez vu dans l'intro, j'ai deux éditions de ce livre et vas-y, marche-moi dessus. J'ai décidé de partir sur cette édition parce que je crois que la dernière fois que je l'ai lu, j'ai pris l'édition illustrée par Chris Liddell et cette fois je me suis dit que j'allais prendre l'édition illustrée par Dave McKean. Où en soi la couverture est pas ouf en vrai, mais les illustrations dedans sont assez sympas. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc j'ai décidé de partir sur cette édition pour cette relecture. Je me suis demandé si je pourrais le lire en une après-midi, sauf qu'en fait il fait 300 pages, donc je pense que ça va être chaud. Mais on va essayer. Et je vais essayer de faire des petites updates en fait au fur et à mesure. Mais tout d'abord, on va aller choisir quel marque-page je vais utiliser. Alors, il faut savoir que pour mes marque-pages, j'ai tendance à prendre de magnifiques photocards de BTS, donc qui sont rangés dans cette magnifique boîte à musique. Donc, il faut que je l'ouvre. Jean. Soit dit en passant, c'est trop mignon, non? Là, Laura va encore me juger parce que j'ai pas enlevé les plastiques, mais ça me fait plaisir. Donc, voilà, magnifique boîte à musique avec cette petite planète. Et donc dedans, au-delà du magnifique bracelet microcosmos, il y a 1000 photocards. Et je m'amuse à choisir magnifique photocard de Jimin. Voilà. Qui est-ce qu'on va prendre dans cette aventure Neil Gaiman? On va prendre quelqu'un de bien. Oh! Celle-là, elle est trop pipou aussi. Bonsoir, on va partir sur Namjoon parce que c'est celui qui lit le plus et j'aime bien l'avoir en marque-page pour mes lectures. Soit on va partir sur Jin qui est trop mimi. Au bout de trois, ça sera pas toi. Un, deux, trois. On part sur Jin. C'est parti! Du coup, pour un résumé rapide de ce livre, dans cette édition, le résumé est le suivant. Il faut tout un cimetière pour élever un enfant. Je sais qu'en anglais, je l'ai souvent entendu cette expression It takes a village to raise a child. Donc, il faut tout un village pour élever un enfant. Et je me demandais si cette expression existait en français. Et en fait, j'ai découvert que oui, je ne l'ai jamais entendue en français. Ça vient d'un proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que ce proverbe soit repris et adapté pour ce livre en disant qu'il faut tout un cimetière pour élever un enfant. Donc, vous suivez Nobody Owens, qui est connu en tant que Bod, qui est un petit garçon normal. Il serait complètement normal s'il ne vivait pas dans un cimetière élevé par des fantômes avec un gardien qui n'appartient ni au monde des vivants ni au monde des morts. Nous, vous suivez ses aventures avec divers personnages du cimetière. Et on sait juste que si Bod quitte le cimetière, il est en grave danger à cause d'un homme qui s'appelle Jack, qui en fait tuait toute la famille de Bod. C'est écrit directement dans le résumé. C'est pas vraiment un spoiler parce qu'effectivement ça se passe dans les premières pages, mais j'étais quand même surprise qu'on le mette dès le résumé. Donc voilà pour le résumé rapide sur ce livre et je vais commencer ma lecture.
Alors, j'ai lu les 100 premières pages et franchement, je suis trop contente parce que ça se lit trop bien. Vraiment, Neil Gaiman, son style, je l'adore. C'est vraiment particulier. En plus, ça, c'est du jeunesse. Donc, vraiment, Neil Gaiman en jeunesse, j'adore. Encore plus que ses livres adultes, je pense. Vraiment, je conseille The Graveyard Book. Alors, effectivement, j'avais oublié un point et je ne sais plus si c'est Benjamin qui m'avait dit ça ou si c'était une autre personne. Mais il faut savoir que ce livre est écrit un peu sous forme de nouvelles, en quelque sorte. Donc, vous avez différentes nouvelles qui se suivent chronologiquement. Mais ce n'est pas vraiment une narration, on va dire, qui se suit. Vous avez vraiment des brides en fait de la vie de Nobody au fur et à mesure qu'il grandit. Par exemple, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, vous avez un time skip de quelques années, il me semble de 3 ou 4 ans. Donc ce n'est plusieurs histoires qui se suivent chronologiquement, mais voilà, c'est pas une narration habituelle, on va dire. Et je pense que ce style de narration pourra ne pas plaire à certains. Je sais pas si on entend mon chat cracher derrière moi, mais voilà. On est content. Et sinon, je suis vraiment donc contente de retrouver le style de Neil Gaiman et aussi un peu l'humour de Neil Gaiman dans sa littérature jeunesse. Par exemple, il y a un moment que j'aime beaucoup où donc Nobody rencontre une petite fille dans le cimetière et elle lui parle du boulot de ses parents. Et son père est prof en... Comment on dit particle physics en français? Physique des particules. Ok. Donc son père est prof en physique des particules et elle lui explique en gros comment elle lui explique, elle lui dit oui en gros on est tous faits d'atomes etc et il y a des choses encore plus petites que les atomes et ça c'est la physique des particules et Nobody se fait la réflexion que le père de cette petite fille doit aimer les choses imaginaires et ça m'a fait rire parce que si vous voulez. Donc la petite fille qu'il rencontre, quand elle raconte à ses parents qu'elle a rencontré un petit garçon dans le cimetière, ils lui disent que ouais, c'est très bien, mais que c'est sûrement un ami imaginaire. Donc voilà. Et on retrouve donc dans ce livre pas mal de folklore, on va dire, basique, mais avec un petit twist, on va dire, avec la patte de Neil Gaiman. J'aime bien notamment ce qu'il a fait sur les loups-garous et aussi sur les sorcières. Et là, j'ai hâte parce que je vais entamer le chapitre sur... des sorcières. Finalement, je n'ai pas réussi à lire le livre en une après-midi. J'ai en réalité lu le trois quarts du livre hier après-midi. Je pensais que je mettrais un peu plus de temps. Ah, coucou Maka. Donc j'ai lu voilà le trois quarts du livre hier après-midi et j'étais super contente parce que vraiment ça se lit trop bien. Je l'ai fini ce matin. Finalement, je n'ai pas travaillé non plus aujourd'hui puisque je suis encore un petit peu patraque. En fait, je pense augmenter la note. J'avais mis, je crois, 4,5 étoiles sur Goodreads. Et en fait, je pense que je vais le monter à 5 étoiles parce que vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment Neil Gaiman. J'adore ce qu'il fait. J'adore sa narration. J'adore le ton qu'il emploie. J'adore
comment aussi il joue un petit peu avec le lecteur. J'adore les idées. J'ai fini le livre, j'étais un peu au bord des larmes, je l'avoue. Il y a aussi dans cette édition, à la fin, en fait, le speech qu'il a fait, parce qu'il a reçu en fait un prix pour The Graveyard Book. Et je l'ai reparcouru tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé notamment ce qu'il dit sur le livre en particulier. Il dit qu'il était parti pour écrire un livre sur l'enfance et qu'au final, il s'est rendu compte qu'il avait écrit un livre qui dépassait cela et que c'était plutôt un livre sur les parents. Alors, je vais essayer de bien le formuler. J'ai mal à la gorge, c'est horrible. Et donc, il dit que ce livre est finalement plus, en fait, l'histoire de parents qui, bah, une fois qu'ils ont accompli leur boulot, bah, il faut qu'ils laissent partir leurs enfants, qu'ils les laissent voler de leurs propres ailes, comme on dit. J'aime beaucoup aussi le fait que Neil Gaiman, dans ce speech, dit à un moment que écrire, c'est son gagne-pain. Et qu'il y a un moment, voilà, dans sa carrière où il a un peu oublié ce que signifiait la lecture pour lui. Il disait que voilà, il écrivait pour écrire, pour gagner de l'argent, pour élever sa famille, pour vivre en fait. Et que quand il a gagné ce prix, ça lui a rappelé la place que la lecture pouvait prendre dans la vie des gens. Et la place qu'avait la lecture dans sa propre vie, notamment dans son enfance. Il dit que les livres peuvent participer au bien-être de quelqu'un, que ça peut, voilà, être une échappatoire, un moyen de, on va dire, survivre dans ses propres mots, au poison du quotidien, de la vraie vie. Donc je trouvais ça assez touchant. Maintenant, sur le livre en lui-même, vraiment un coup de cœur, enfin vraiment un de mes Neil Gaiman préférés. Au final, je dirais que ce livre a comme une intrigue policière quelque part. Peut-être policier n'est pas le terme, mais un peu en mode thriller. Parce que voilà, vous avez, ça commence quand même avec une histoire d'assassinat. Et vous avez le dénouement. Et je trouve que ça donnait vraiment un bon rythme au livre. Ce qui est assez surprenant, c'est que Neil Gaiman arrive à faire de ce livre un roman, parce que voilà, vous avez vraiment une intrigue, un fil rouge, mais écrit sous forme de nouvelle. Il dit notamment dans sa postface en fait qu'il souhaitait s'inspirer du livre de la jungle, qui est écrit également en nouvelle. Et voilà, je trouve que vraiment c'est un pari réussi et j'aime beaucoup ce format, mais je peut concevoir que ce format peut déstabiliser certains, voire même les rebuter. Dans les thèmes de ce livre qui me plaisent particulièrement, il y a vraiment ce passage de l'enfance à l'âge adulte, ou en tout cas à l'adolescence, enfin, au début de l'âge adulte. Et j'ai vraiment aimé voir l'histoire de Nobody se construire, j'ai vraiment aimé le voir grandir, même si c'était par bribes. Vraiment, chaque nouvelle, vous le prenez à un âge différent. Je crois qu'on le voit à 1 an, ensuite à 4 ou 5 ans, ensuite à 8 ans, à 10 ans, à 13 ans, à 15 ans. Voilà, vraiment des bribes de sa vie et je trouve que ça fonctionne très bien. Et c'était vraiment un plaisir de suivre ce personnage et aussi de suivre les autres personnages du cimetière. Le personnage de Lucilla, ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Je le trouve vraiment très très bien comme personnage, vraiment attachant. Quelque part un petit peu cliché, mais vraiment très bien fait. C'est vraiment une lecture doudou pour moi parce que elle rassemble tout ce que j'aime, un peu ce côté horrifique, parce qu'il y a vraiment des monstres, etc. dedans qui sont assez cool et un petit peu flippants quand même. Avec la narration de Neil Gaiman que j'adore, des personnages très attachants, une histoire qu'on aime suivre. Vraiment, je suis très contente de l'avoir relu. Je suis contente que le Pumpkin Autumn Challenge m'ait donné le prétexte de relire ce livre. Et c'est assez hallucinant parce que à chaque fois que je relis un Neil Gaiman, je me dis oui, je sais que j'ai aimé le livre et que ça va être sympa à relire, mais j'ai vraiment l'impression de, je sais pas, de repartir dans un monde familier, dans un monde magique, de repartir dans un coin doudou, cosy que j'adore et d'être accompagnée par cet auteur. C'est vraiment une expérience que j'affectionne tout particulièrement. Clairement, je pense que Neil Gaiman fait partie des auteurs que j'ai le plus relus et c'est toujours un bonheur de le relire. Donc, je pense que je vais continuer forcément mes relectures ces prochains mois ou ces prochaines années. Je suis vraiment très très contente de l'avoir relu et c'était assez cool de faire ce vlog. Je m'excuse si c'est pas très clair quand je parle, j'ai encore le nez pris, j'ai mal à la gorge. Et voilà, comme j'ai filmé avec mon portable, le son sera peut-être, voire très certainement, moins bien que le son d'habitude, et je m'en excuse.
En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Aimé, tu dis au revoir. Oh, t'as l'air sympathique.